Salut. Bon, avec le premier vlog que vous avez vu sur Los Angeles, qui dure plus de 11 minutes, ça m'a donné un travail fou. Alors j'avais envie de lancer un petit concept un peu plus court, beaucoup plus court, qui s'appellera du coup les shortcuts, et qui sera donc à chaque fois que je trouve un petit truc intéressant à vous partager. Et donc là, je suis en haut de mon immeuble, en haut du 13e étage, qui est pas très haut comparé aux autres immeubles, mais du coup on a quand même une pas mal belle vue. Mais c'était pas ça que je voulais vous montrer. En fait, c'est ce bâtiment qu'il y a derrière moi là, tout recouvert d'un papier assez chelou. On va aller voir ça de plus près. Ils viennent d'installer ça hier et voilà, c'est genre ok, d'accord, je comprends pas trop. Je sais même pas encore à quoi c'est fait pour exactement. Mais en tout cas, c'est tellement cool. Ça ressemble beaucoup à l'artiste qui avait justement emballé un truc à Berlin et dans d'autres villes. Et qui d'ailleurs avait pas mal choqué les gens. C'était rigolo de voir les réactions. Mais voilà. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de ce genre d'installation un peu étrange, on peut dire. Mais en tout cas, moi, je trouve ça très très esthétique. Alors maintenant, pour interpréter un petit peu philosophiquement la chose, le fait d'emballer une architecture, ne serait-ce pas un moyen de la redécouvrir sous diverses angles? Le fait de l'emballer, on la redécouvre par ses formes et après on la déballe comme si c'était un paquet cadeau et c'est comme un nouveau bâtiment qui venait d'arriver alors qu'en fait il existait déjà depuis très très longtemps. Voilà, moi je trouve ça cool comme procédé. Enfin bref, fini de blablater pour dire de la merde, je vous montre quand même quelques images. Alors j'ai discuté avec un des ouvriers et on a un peu plus d'explications. Ce gros machin chose tout coloré, c'est en fait pour traiter le bâtiment contre les insectes, du style les termites, il me semble qu'il m'a dit. Non, il me l'a dit en anglais, j'ai rien compris, évidemment. Donc voilà, moi qui croyais à un truc absolument artistique, c'est genre waouh, c'est trop bien, c'est trop recherché et tout. Non, en fait, ils ont juste posé leur bâche pour traiter le bâtiment et il n'y a rien à voir avec l'art, mais c'est quand même joli. Voilà, c'est... Enfin bref, donc les Allemands, arrêtez de râler quand on recouvre vos bâtiments, c'est juste pour les traiter contre les insectes, voilà. Et petite info sympathique, c'est qu'ils restent pendant plusieurs jours, donc il y a moyen d'organiser un petit shooting là-bas. Hop là, on se retrouve en haut de l'immeuble, comme au début, pour vous dire que du coup, bah, c'est la fin de ce mini-vlog, voilà, shortcut. N'hésitez pas à souscrire à une bonne soirée et de passer un agréable abonnement, et puis aussi à me dire si ce genre de mini-format vous plaît. En tous les cas, je pense que, évidemment, il y en aura d'autres, voilà, parce qu'il y a d'autres bâtiments comme ça. La plupart du temps, je vais vous faire découvrir des architectures, parce que bah, c'est ce qui frappe le plus, mais aussi des lieux sympathiques à voir. Vous allez voir, ça va être bien, et j'espère que vous n'allez pas être déçus. Allez, salut !